Nous sommes le mardi 26 juin 2018. Et bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le journal du matin. Info Vision, à la une de l'actualité, la porte-parole de la direction départementale de l'Ouest de la PNH, Nancy Barbara Alexis, confirme l'assassinat de Natacha Castelli, 40 ans, par son compagnon Steven Junior Perrin. Les faits se sont produits dans la soirée du 19 juin. Dans la résidence de la mère de ce dernier à Bois-Mouquette. Le comité de pilotage et le secrétariat technique des états généraux sectoriels de la nation se dit consterné par le décès tragique de Natacha Castelli, membre du secrétariat technique, soulignant que les circonstances demeurent troublantes et souhaite que toute la lumière soit faite sur ce drame. Les députés du groupe majoritaire sont divisés sur l'attitude à adopter vis-à-vis du premier ministre Jacques-Guy Lafontaine lors de la séance d'interpellation de jeudi. Si certains se déclarent solidaires de Guy Lafontaine, d'autres se disent prêts à voter en faveur de la censure de son gouvernement. 60 migrants haïtiens ont été reconduits à la frontière en Saint-Pierre, Pédernales le 20 juin dernier par les autorités dominicaines. Ces compatriotes qui vivaient à Wancho, une localité de Pédernales, ont été appréhendés sur leur lieu de travail selon le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés et gare. La première journée des examens du bac unique qui a été marquée hier par des cas d'irrégularité. De nombreux candidats n'avaient pas obtenu leur fiche d'examen. Ils ont été cependant autorisés à subir les épreuves dans des centres d'examen spéciaux. Un individu dénommé Jean Elonder, qui accompagnait l'un des candidats concernés au lycée Toussaint, a été abrindé par la police. Il avait en sa possession un pistolet de calibre 9 mm. Le secrétaire d'État à l'alphabétisation condamne une tentative d'incendie vendredi soir des locaux de l'institution à Pétionville. Émile Brutus réclame une enquête en vue d'identifier de plus près les auteurs de cet acte malhonnête. À l'étranger, le Guatemala a demandé aux États-Unis d'accorder un asile temporaire aux migrants guatémaltais qui ont dû fuir leurs habitations en raison de l'éruption du volcan Fuego, indique un responsable hier. Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, est arrivé aujourd'hui à Pékin pour sa première visite en Chine dans un contexte de tension croissante, alors même que Washington compte sur le soutien du géant asiatique dans ses négociations avec la Corée du Nord. Et puis, les Occidentaux ont présenté ce mardi un projet visant à renforcer l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIACI, en lui donnant le pouvoir de désigner les responsables des attaques au prix d'un bras de fer avec la Russie hostile à la proposition. Le député de Grand-Rouave, Jean-Marcel Luméron, l'invité du journal ce matin, il est l'un des députés interpellateurs. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier, l'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier, informer, c'est notre passion. Ce journal est réalisé par Dominique Jean-Baptiste et Léon Cœur Civil, mis en onde par Harry Junior Désir, à la présentation Marie-Lucie Bruno Maupont et Inno Charisma. Bonjour à tous, bonjour Marie-Lucie, bonne journée. Et bonjour Inno, bonne journée à toutes et à tous. Vous suivez InfoVision, le magazine matinal de Vision 2000. En couverture de ce journal, un jour J, moins deux maintenant pour la séance d'interpellation du premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, prévue donc jeudi prochain. Les députés du groupe majoritaire sont plutôt divisés sur l'attitude adoptée vis-à-vis du chef du gouvernement. En tout cas, si l'on tient compte des déclarations faites jusqu'ici dans la presse, certains se disent solidaires du Premier ministre, d'autres se disent prêts à voter en faveur de la censure de son gouvernement. En termes de réaction, tout d'abord, celle des députés Marie-Gladys Saint-Jean, lundi, de Jérémy Ronald Toussaint, de Roseau, tous deux membres du bloc majoritaire, qui se disent insatisfaits par rapport
rapport à la gestion du Premier ministre. Elle déplore le fait que rien n'a été fait en faveur des habitants de leurs circonscriptions respectives qui sont en proie à des difficultés de toutes sortes. Marie-Gladys Saint-Jean dit, et Ronald Toussaint en premier de voter, je cite, hein, dans le sens des intérêts de leurs mandants. Ils sont au micro de Léon Kercivil. Situation pas jamais vraiment améliorée, puisque Jérémy, qui est chef du département, n'a pas gagné de concret qui réalisé dans le niveau ville jérémien qui peut bailler signal dans l'autre commune, dans le département. Donc c'est pour dire que situation critique, nous n'avons jusqu'à présent c'est en bas, près la chirée, et toujours, et sans compter que pas de personnes investissement réel qui fait concrètement, pas gagné que des réponses qui baillent à problèmes qui existaient. M'a voté, et c'est la population de Jérémy qui mandate Mbomina, m'a voté dans ce sens. Dans cette population, on va aller là dans le bras. Si le gouvernement n'a pas délivré et que qu'on y a population jérémienne mandé pour que moi baille un vote de nos confiances, eh bien moi-même, pas qu'à désobéir la population. Donc moi-même, vote moi, libre à le conditionner par rapport à ça que Jérémy mandé fait. Moi, je voulais lancer un coup d'alarme au nom de la population de Slan, mais en particulier la population Rousselaise qui m'a mandaté pour représenter dans la 50e législature. Je crois que sur le plan socio-économique, ça va très mal dans la Grèce. Comme l'a si bien dit collègue Gladys, je crois que actuellement, Grèce a connu une situation d'insécurité alimentaire qui allait dans le sens pour arriver sévère. On dit une situation de sécurité alimentaire sévère. Et parce que Grèce a raté deux saisons agricoles consécutives. Nous presque arrivés dans un stade famine côté Nukawe. Nous attendons dans les prochains jours côté Gendé, nous cap mourir grand goût dans grand cela et n'a profité occasion tout pour demander une autre fois encore président Jovenel pour que promesse pont qui t'a dû aller au niveau de la deuxième section communale des Roses, son zone qui est déjà enclavée, le président allait en personne, il était pour mettre pont. Mon fond couchon prêté voix, mon l'autre fois encore. Pour moi, le président, est-ce qu'il lié pont, il était pour mettre joie? Bon, comportement moral est lié à ça, mon Roseau, il m'a demandé pour me faire. Et comportement tout pour lier tout à de l'autre paramètre. Par exemple, moi je fais partie d'un groupe parlementaire, d'un bloc parlementaire au niveau du Parlement, qui c'est APH, Nouveau-Kochita, pour que nous décidions et pour nous analyser de façon objective, sans tête chaude, sans émotion, pour nous voir qui ça pour faire, pour finalement me décider qui ça me quitte à côté. Le député Marie-Gladys Saint-Jean le dit, Ronald Toussaint. Pour sa part, le député de Saint-Michel de l'Atalaï, Myriam Amilcar, du bloc PLV, était à Niort, dans une rencontre aujourd'hui entre les membres de ce bloc afin de déterminer la position adoptée lors de la séance d'interpellation. Déjà, il se dit favorable à une motion de censure contre le Premier ministre. Effectivement, nous autres du bureau, donc c'est en responsabilité que nous gagnons, donc la présence, et certainement, donc député, interpellateur, ou même tout, nous à présent, maintenant il reste à la majorité, et que nous avons soutenu le gouvernement, ou même tout, fait valoir pour une vue, et maintenant, pour que bon décision qui sortit. Alors, décision qui pourra sortir, c'est ou bien que confirmer pour le ministre et le gouvernement dans la fonction, ou bien que, eh bien, on voit qui dit que, eh bien, il n'est pas satisfait de gestion du gouvernement de façon que le Premier ministre ne mène pas le pays et que il a décidé de sanctionner le censurer. Ça qui est évident, c'est qu'on dit que, je dis, le gouvernement, il gagne une majorité au niveau du Parlement haïtien dans la Chambre des députés, une majorité écrasante, donc une majorité de 71 députés, certainement. Eh bien, bloc là, il va le camper devant, ensemble avec le Premier ministre, pour confirmer. Effectivement, dans le bloc vérité européenne et allié, effectivement, c'est allié gouvernement. Mais je dis, ça qui a passé devant nous là, il est clair que nous ne sentons pas à l'aise, nous confortables dans la façon que le pays a dirigé, dans la façon que le pays a mené, de ce fait, fortement. Donc, encore une fois, avec un bloc moins, nous gagnons pour une chita, et ceci demain, au plus tard, nous avons chita pour nous réunir, pour nous positionner, pour nous capables de clarifier. Puis on dit, mais comment nous pouvons voter? Mais même personnellement, nous clairement dire que je dis à nous pas satisfaire de gestion du gouvernement. Il y a grave, il y a un député qui se sent à l'aise, je dis, avec le mode de gestion ça, que le Premier ministre a fait de pays. Moi, je dis personnellement, gestion Premier ministre, je ne pas retrouver là-dedans et position claire, il n'a pas changé. Premier ministre est supposé recevoir un vote de censure.
Le député de Saint-Michel de la Talaye, Myriam Amilcar, du bloc OPL, Vérité et qu'en pense la femme de la rue au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. En tout cas, les avis divergent au sujet de l'interpellation du chef du gouvernement suivi. Démarche là, elle est bonne, mais elle n'est pas poté fuir vraiment. Parce que minorité, hein, c'est lui qui fait interpellation. Hein. Nous, une bataille qui te gagne en bas pour être capable d'accord sur un jour ou bien une date pour interpellation en fait. Il a accepté pour faire le jeudi. Moi-même, c'est une bonne occasion pour minorité hein, faire valoir de eux-mêmes. Pour capable au moins poser une série de problèmes qui ont rongé la population. Hein. Par exemple, il y a trop de gagotes. Si le gouvernement dit la combattre la corruption, eh bien, faut au moins garder le mode de fonctionnement, soi-disant, campagne qui soit agriculant. La piste détériorée, question la manger là, livrer des fois luxe en Haïti. Je dis là, nous, oui, va me dire, déjà passé à 40, 45 gouttes, ça dépend de qui zone vous fréquentez. Nous-mêmes, nous avons demandé avec député interpellateur pour questionner une série d'activités. Gouvernement ça a fait. Comme je dis, Capitaine, la santé, il pourrait le faire. Le ministre qui a voulu le corps blanc, déjà, pendant que le pays a souffert, pas un corps blanc, le pays a moun baka manger, moun baka boire, employé, baka touché, si il est monté avant gaz monté. Pourquoi il est monté, mais il est monté avant gaz monté. Même blé, il faut un pichet qui dit, m'a bien joint, et moi, tu sais, m'a bien blé, il pourrait le faire. La majorité qui gagne dans la chambre de député, il va regarder sous capacité moun qui ça le fait, il va regarder sous travail ministre, il va regarder sous des amis, sous question de partisanerie, sous question de fanatisme qui parle. Qui n'est pas interpellé, pas interpellé, il va aboutir avec rien, nous n'avons aucun résultat. Par les pays à ce pays qui focus sur propagande, c'est propagande seulement qu'a fait, dans tout sens. Ça veut dire interpellation, ça ne va pas représenter rien. Il va représenter rien, c'est on lave messieurs à terre. Tout le monde va se jouer qu'a fait, c'est blague. Vous comprenez, pays à ce pays qui est malade, dans tout col, c'est l'argent qui parle. Selon moi-même, si monsieur pas bail bilan, il va pas répondre avec besoin de population, mon cher. Coûte que coûte, faut monsieur aller, faut monsieur bail pays à bon, l'autre qui a potentialité ça, pour qu'il réponde avec besoin de population. Le premier ministre a pas besoin de Et voilà pour les avis de l'homme et de la femme de la rue, ce qu'en pensent certains citoyens de la région métropolitaine de Port-au-Prince concernant l'interpellation du Premier ministre. C'est pour jeudi dans l'après-midi, à partir de 3h de l'après-midi. Et si certains applaudissent, c'est la démarche. D'autres parlent déjà de comédie. Et permettant à certains députés de faire chanter le gouvernement. Le directeur exécutif de Jury Média, Abdaniel Doudou, dit ne pas attendre à grand-chose de la scène d'interpellation du Premier ministre Jacques Guilafontaine. Le membre du comité directeur de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie justifie sa position par le fait que le gouvernement bénéficie du soutien d'une majorité au niveau de la Chambre basse, compte rendu Diego Charles. Pour Abdonel Doudou, il est clair, personne ne devrait s'attendre à une motion de censure contre le Premier ministre Jacques Guilafontaine à la séance d'interpellation de jeudi. Compte tenu du fait que le bloc majoritaire à la Chambre basse est selon lui acquis à la cause du gouvernement. Toutefois, le directeur exécutif de Jury Média estime que cette séance constitue une grande opportunité pour le pays et principalement les députés minoritaires, principaux instigateurs de cette démarche. Ces derniers doivent, selon le responsable de l'OCID, questionner le chef du gouvernement sur plusieurs dossiers d'intérêt général, permettant ainsi à la population d'avoir accès à des informations qui concernent la gouvernance du pays. Abdonel Doudou. Je suis sûr que le groupe minoritaire l'a préparé pour poser pour une question sur ce dossier extrêmement intéressant. C'est rapport avec l'énergie. Fichet a préformé le village pour demander ce qu'il y a fait avec différents cas de corruption. Ministre envoyé sur la base de problèmes. Et puis après, ça nous battait en rien encore. Rapport plutôt carré de gouvernement ou des constitutions que vous avez dit. Parmi les motifs avancés par les députés interpellateurs figurent notamment les responsabilités du Premier ministre Lafontaine et l'inefficacité des actions de son gouvernement.
avis partagé par Abdonel Doudou, qui croit que M. Lafontaine est, je cite, contre-performant. Il s'explique. Le résultat, par contre, c'est un gouvernement qui performe. Au niveau économique, le résultat n'est pas intéressant. Au niveau social, il n'est pas intéressant. Au niveau sécurité, on y est entre les sécurités et politiques pénales. Lorsque il y a une impunité, comment on voulait complémenter, on va continuer. Au niveau justice, il y a un petit dossier qui a traîné. Mais qui nous faut problème, il y a parce que je ne pas donner pour le président. Le premier temps, il y a des blocages, mais pas de rapport avec le président République. Parce que, monsieur, est-ce que j'en aurais au mieux présent le président? Donc, à poser cette question, dans quelle mesure on peut le ministre a évité sans qu'il n'y ait pas un conflit avec le président? La correspondance concernant l'interpellation du premier ministre Lafontaine lui a été acheminée jeudi dernier par le président de la Chambre des députés. La séance pourrait se solder soit par un vote de censure, renvoyant en bloc l'équipe gouvernementale, ou encore par un vote de confiance qui permettra au patron de la primature de bénéficier d'au moins 6 mois avant toute autre demande d'interpellation. Diego Charles, Vision 2000. Et merci Diego Charles. Vous êtes sur Vision 2000 et vous suivez le journal du matin. Info Vision, le directeur exécutif de Jury Média, Donald Doudou, ne voit pas d'un bon oeil la décision de l'exécutif d'augmenter prochainement les prix de l'essence à la pompe. Il invite les autorités étatiques à prendre en compte les recommandations de l'évêque du Sud-Est, Monseigneur Lenay Saturne, concernant des mesures d'accompagnement en faveur des plus vulnérables. Nous écoutons Abdonel Doudou. Il n'est pas innocent, Tamik n'est pas innocent, parce que non seulement il y a des ministres de communication et ministres de financement qui ont intervenu sur ça, ils ne sont pas dit qu'il a exactement le droit de le faire. Il y a une mesure qui doit prendre incessamment pour augmenter. Pour population, il doit l'augmenter, mais pour gouvernement, il n'y a pas la justice. Et puis, deuxième bagage, il y a un ministère de l'économie et des finances qui a annoncé qu'on liste de produits d'importation dans une logique de promotion de production nationale. Alors, emballage là très belle, emballage là très belle. Nous verrons que ce n'est pas importable à quoi le pays ça, le consommateur à quoi le pays, en attendant qu'on ait des produits nationaux. Parce que, deuxièmement, nous connaissons que le prix produit de sous-machère, il va réguler que nous nous mettons prix au prix. Et même des études qui ne sont pas des études de la Banque mondiale qui montraient qu'il y a des disproportions vraiment inexplicables, irrationnelles entre les gens prix au prix et les gens prix au prix dans leur pays, dans la Caraïbe-là, par exemple. Au niveau du budget de la République, c'est probablement, nous sommes déjà au courant de ça, comment c'est planifié, comme d'habitude, dans nos voyons depuis quelques années que le gouvernement reprend, et ajuster ça au niveau du budget, ce qui est contre la Constitution. Parce que c'est fort bon loi spécifique qui augmente ça, mais nous avons fait ça systématiquement au cours des dernières années, depuis même avant 2015, nous faisons ça systématiquement, augmenter ça au niveau de budget républicain. On met quoi que, oui là, l'Église catholique, on est au courant de mesures AOA. Et l'enseignement nous avertissement, pour même pas avertissement que l'enseignement, c'est que mesures AOA, si on prend, sans des mesures d'accompagnement pour améliorer le salaire minimum pour ouvrier. Et comme dit que le salaire minimum pour ouvrier, c'est juste un petit niveau d'eau. Parce que ce n'est pas un pile ouvrier que nous gagnons dans le pays. Lorsque il y a des mesures qui prend pour augmenter à cette là, ce qui est nécessaire, mais pas aucune mesure d'accompagnement qui prend pour faciliter que la création de richesses et création d'emplois dans le pays, il n'est pas capable des résultats qu'il a cherché. Et puis parallèlement aussi, il faut souligner le fait qu'il faut que y ait des mesures qui prennent pour renforcer la transparence, pour combattre la corruption et pour que l'argent qui prend dans la taxe qui vient augmenter, qui sert la population véritablement. Et c'est plus qu'un crise dans ça. Et l'on va regarder par exemple ça qui passe avec les cocaïnes. Et puis pour maintenant nous gagner faire de la dette maintenant. Énorme! Une bonne mémoire, comme nous devons nous rembourser plutôt qualité par année, il plus que comme qui est dans le budget et 2017-2018, et plus que comme qui est dans le budget et pour le ministère de la Santé, par exemple. Mais cependant, nous passons que nous soucions et des autorités pour qu'il y ait un procès de qualité. Et le secrétaire général du mouvement unifié des transporteurs d'Haïti, Jacques-Anderson Desroches, lance une nouvelle mise en garde au gouvernement concernant sa décision d'augmenter sous peu les prix des produits pétroliers sur le marché local. Une telle mesure aura, selon lui, de graves répercussions sur les conditions de vie déjà précaires de la population. Il appelle le gouvernement à se ressaisir. Jacques-Anderson Desroches. Nous ne sommes pas d'accord avec la gaz montée. C'est vrai, mais nous proposons de
l'autre palliatif. Nous ne pouvons pas mettre qu'une manœuvre politicienne ou politicien, nous ne pouvons pas mettre qu'une manœuvre pour voir tout. L'État a dit qu'il y a un l'argent, mais côté le cas de pression fiscale pour le jeune l'argent. La douane, frontière, il y a plus que 2 milliards de dollars en termes de franchise douane pendant l'année, qui sont motocyclettes de régularisation. À bas de votre poste, vous avez plaque. Il y a 1 500 000 qui baguent plaque sur tout le territoire national. L'on prend 1 500 000 motos, l'on multiplie par 5 000 routes, il va aller à 7 500 000 routes. Ou avec cet enregistré, vous payez 700 à 810 000 machines. Donc, le temps multiplié par 1000 gouttes chaque 3 mois. La douane, il a baillé 4 000 gouttes. Donc, ça va pas au montant encore plus que 4 milliards de gouttes. Nous, ça, tu avises dans le pays, nous conscients de l'augmentation au niveau international. Mais pour l'État, d'accord, 7 octobre 2017, muté, qui vous le dit, gaz à descendre, il faut descendre de 16,76%. L'État est pour 2. Donc, ça t'a montré que je dis à l'État, dans le fait accompli pour l'agir. Mais après l'augmentation, l'État fait plus que 8 milliards 100 millions de gouttes. L'État va même dire nous, ça le fait comme ça. On met confiance totale, ni au niveau gouvernement, ni au niveau de l'opposition. La population aux abois, ni aux difficultés. Et je dis à comme groupe social, donc, faut nous à quel niveau, nous, quand j'étais un jet qui permet de nous jeter nos portes de sortie. Ça qui intéresse nous, c'est payer la stabilité. Mais ça qui intéresse nous, tout ce gaz va bouter. Nous ne sommes pas des politiques. Nous ne sommes pas notre tête, nous, nos démarches, madame politicienne. Mais nous-mêmes, notre tête, nos démarches très sociales. Nous, on fasse pour l'État, symbole, lycée, motif. Le député de Miambalé, Abel Descolines, dénonce les brutalités dont ont été victimes il y a quelques semaines des chauffeurs et passagers de la part de certains agents douaniers au niveau des zones frontalières de Belader et du Haut-Plateau central. Le parlementaire demande aux autorités concernées de plancher sur ce dossier, tout en rappelant son soutien à la lutte contre la contrebande. Abel Descolines avec Léon Kerséville. Nous voulons alerter l'opinion publique nationale et internationale sous un ensemble de problèmes qui a posé depuis tantôt 2 à 3 semaines dans le niveau zone frontalière. Comment nous imaginer de transporteurs, parfois mounan ces machines nan gagné, qui toute ville, yo intercepté dans le niveau on poste douanier, parfois machine en fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans que service qui l'a dans le niveau la douane, yo pas prend aucune disposition. Ça qui posait un gros problème dans le niveau plateau central, mais dans le niveau l'autre zone frontalière, yo, et ça qui présentait un gros risque, un gros menace capable de gagner un soulèvement à n'importe qui moment. Mais ça que nous avons dénoncé tout, c'est la brutalité. C'est que la loi libaille de attribution de prérogatives avec agents douaniers, mais ce ne sont pas de militaires ou encore de policiers à proprement parler. À travers Belader, à travers le plateau central, notamment dans la zone Papaye, et même il y a des agents douaniers parfois qui brutalisent à la fois chauffeurs, mais moun qui abordent de machines. Donc ça que n'a dénoncé. Maintenant, n'a dit tout, nous sommes pour que le gouvernement prenne des dispositions pour combattre la contrebande. Mais comment imaginer l'État perdu 450 millions de dollars chaque année? Ça veut dire qu'on gagne de gros opérateurs de la contrebande. Jusqu'à présent, soi-disant en politique pour combattre la contrebande, ça y est, nous dit, c'est de petites machines de transport qui ont intercepté, alors que gagne de gros conteneurs, de professionnels de la contrebande, de grands entrepreneurs, de grands opérateurs de la contrebande qui continuaient à bénéficier de postes de passagers sans qu'ils n'aient pas intercepté. Nous dénonçons dispositions de poids et de mesure, côté c'est les plus faibles, soi-disant y a sanctionné, alors que la grande contrebande, pour qu'on vraiment y ait de dispositions qui prend pour que yo agit contre Mounsayo qui fait gagner, manque à gagner. 6h58 minutes, les dernières observations de la délégation du Fonds monétaire international portent sur des considérations macroéconomiques orientées vers une politique néolibérale. De l'avis du directeur et exécutif de Jury Media, Abdonel Doudou, en effet, la mission, on dit, relevée entre autres une légère croissance du produit intérieur brut d'environ 2%. Il dit quoi que les interventions du FMI en Haïti ne visent aucunement les intérêts de la population, appelant les autorités à se méfier des recommandations de l'institution Abdonel Doudou. Logique pour monétaire internationale là, une logique macroéconomique
et surtout qui orientait vers des indicateurs qui chèrent aux tenants de la politique néolibérale. Et c'est ça que fait, ouais, ils ont mis en pile pression, dans notre là, ils n'ont pas été au bas. Ils ont mis en pile pression, je dis, pour pouvoir aller en retard avec les décisions qu'ils avaient point déjà pour ajuster pour les carburants. Idée à château. Oui, idée à château. Donc c'est ça qui est important pour eux, nous-mêmes. Si nous disons que le Fonds international, ce n'est pas une institution que les peuples haïtiens ont voté pour nous diriger, ils parlent à vous de les intérêts d'Haïti. L'institution bretonne audio qui se fait au niveau international, qui se fait mondial, nous connaît qui t'a défendu au niveau international. Et donc, nous très clairement connaissons les intérêts. Ma politique a fait tout. Le tout rapide, nous avons songé chaque fois autant de communauté internationale ou bien mondiale. A chanté loin pour le gouvernement, dit que le gouvernement a une bonne performance, il va te boire pour lui, on est que pour avoir un problème, pour avoir un courage à aussi. Nicaragua, en avril 2008, 8 jours avant les effets de la fin de la Commission d'Aldeye, eh bien, on a eu une visite de président communauté internationale qui était dit gouvernement dissocié. À ce moment, nous pas prendre dans le pays, à monter dans un séminaire avec des collègues qui nous rappellent que c'était à Jamaïque. Il dit oui, je ne pas Jamaïque soit en direct. Il dit, ouais, il dit, on a un collègue, on parle de vous, on a un pays, oui. Il dit, oh, pour les autres, ça. Il dit, oh, ouais, ce qu'on était international, vient dans un pays, il dit, le gouvernement discute, alors que nous sommes des plaintes tout partout, tout le monde a rapporté, si on a plaint, que vous devez les grands voix de vous clorox. Eh bien, dans une semaine après, il gagne les émissions de la paix. Ça, ou gagne un communauté international qui dit bravo, le gouvernement travaille très bien, au seul temps pour dégager rapide, ajouter des gaz là, pour dégager rapide, stopper si bon soit dans l'UDH là, au lieu de demander pour réformer l'UDH véritablement, pour permettre que nous arrivions à gagner, disons, une institution qui a payé quoi dans le pays, et une entreprise, parce que c'est une entreprise liée, une entreprise publique, qui, même s'il n'est pas rentable, mais au moins, il va fonctionner, ou t'es pris, mais, ouais, on dit, coupe les subventions. La nature a du vide. Bon, ouais, quitte à quoi le passer. Donc, on coupe purement et simplement, sans des mesures d'accompagnement. Donc, mais, ça, c'est pas business par la communauté internationale. La direction départementale de l'Ouest de la PNHL anti-barbarie Alexis confirme l'assassinat de Natacha Castelli, 40 ans, par son compagnon Steven Junior Perrin. Les faits se sont produits dans la soirée du 19 juin dernier dans la résidence de la mère de ce dernier à Bois-Mouquet. Le comité de pilotage et le secrétariat technique des états généraux sectoriels de la nation se dit consterné par le décès tragique de Natacha Castelli, membre du secrétariat technique, soulignant que les circonstances demeurent troublantes et souhaite que toute la lumière soit faite sur ce drame. 60 migrants haïtiens ont été reconduits à la frontière en sapitre pédernal le 20 juin dernier par les autorités dominicaines. Ses compatriotes qui vivaient à Rouen, sur une localité de pédernal, ont été appréhendés sur leur lieu de travail selon le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Gare, la première journée des examens du bac unique a été marquée par des cas d'irrégularités. De nombreux candidats n'avaient pas obtenu leur fiche d'examen, par exemple. Ils ont été cependant autorisés à subir les épreuves, dont des centres d'examen spéciaux. Un individu dénommé Jean Elander, qui accompagnait l'un des candidats concernés au lycée Toussaint, a été appréhendé par la police. Il avait en sa possession un pistolet de calibre 9 mm. Le secrétaire d'État à l'alphabétisation condamne une tentative d'incendie vendredi soir en des locaux de l'institution à Pétionville. Émile Brutus, il trame une enquête en vue d'identifier de punir les auteurs de cet acte malhonnête. Le Guatemala demande aux États-Unis d'accorder un asile temporaire aux migrants guatémaltèques qui ont dû fuir leurs habitations en raison de l'éruption du volcan Fuego. Le président du Guatemala a annoncé sur Twitter avoir demandé à son ministre des Affaires étrangères de solliciter les États-Unis pour un accueil temporaire des personnes déplacées.
Les Occidentaux ont présenté ce mardi un projet visant à renforcer l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques en lui donnant le pouvoir de désigner les responsables de telles attaques au prix d'un bras de fer avec la Russie hostile à la proposition. Le ministre américain de la Défense diplomatique est arrivé aujourd'hui à Pékin pour sa première visite en Chine dans un contexte de tensions croissantes, alors même que Washington compte sur le soutien du géant asiatique dans ses négociations avec la Corée du Nord. Vous avez une idée, mesdames et messieurs, de ce qui vous attend pour la suite du journal sur l'actualité locale, internationale également. Je prends deux secondes pour vous rappeler que Valérie Lemar reçoit ce matin Jean-Marcel Luméran, il est député de Grand-Gouave. Jean-Marcel Luméran, l'un des députés interpellateurs. Dans ce journal, les députés du groupe majoritaire sont divisés sur l'attitude adoptée vis-à-vis du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine lors de la séance d'interpellation de jeudi. Si certains se déclarent solidaires de M. Lafontaine, d'autres se disent prêts à voter en faveur de la censure de son gouvernement. Par exemple, la députée Marie-Gladys Saint-Jean, en lundi de Jérémy Ronald au sein de Roseau, tous deux membres du bloc majoritaire, expriment leur insatisfaction par rapport à la gestion du Premier ministre. Le député de Saint-Michel de l'Atala, Myriam Milkar, du bloc OPL Vérité et Alliés, annonce une rencontre de demain. Justement, pour déterminer la position aujourd'hui plutôt à la position adoptée lors de la séance d'interpellation, mais lui se dit favorable à une motion de censure contre le Premier ministre. Au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, certains s'y sont rencontrés hier applaudissent la démarche, mais d'autres parlent de comédie permettant à certains députés de faire chanter les autorités. La dernière observation de la délégation du Fonds monétaire international porte sur des considérations macroéconomiques orientées vers une politique néolibérale, de l'avis du directeur exécutif de Jurimedia, Daniel Doudou. En effet, la mission d'y relever, entre autres, une légère croissance du produit intérieur brut d'environ 2%.
Abdonel Doudou dit croire que les interventions du FMI en Haïti ne visent aucunement les intérêts de la population, appelant les autorités à se méfier des recommandations de l'institution, entre autres points développés dans ce journal. Merci de votre fidélité. La page internationale dans quelques instants. Écoutez Radiovision 2000 sur le www.radiovision2000haiti.net. Je vous rappelle quand même que le député de Gangoua, Jean-Marcel Luméran, est l'invité du journal. Ce matin, il est 7h17. Rebonjour Enoch. Rebonjour Marc-Élysée, rebonjour à tous. Et donc pour l'actualité internationale, le Guatemala demande aux États-Unis un accueil temporaire de migrants. Le Guatemala a demandé aux États-Unis d'accorder un asile temporaire aux migrants guatémaltèques qui ont dû fuir leurs habitations en raison de l'éruption du volcan Fuego, indique un responsable hier. Le président du Guatemala, Jimmy Morales, a annoncé sur Twitter avoir demandé à son ministre des Affaires étrangères de solliciter les États-Unis pour un accueil temporaire des personnes déplacées. Le volcan, situé à 40 km au sud-ouest de la capitale Guatemala City, près de la ville coloniale d'Antigua, est entré en éruption le 3 juin et a tué 112 personnes. De nombreux autres ont été déplacés. Le nombre de migrants mourant des chaleurs caniculaires à la frontière entre le Mexique et les États-Unis a augmenté de 55% au cours des 9 derniers mois, alors que nombre sans précédent de familles et d'enfants seuls tentent d'entrer illégalement sur le territoire américain. Les fortes chaleurs ont provoqué la mort de 48 migrants à la frontière sud des États-Unis contre 31 au cours de la même période en 2010. Indique le porte-parole des gardes-frontières américains. Ce chiffre devrait continuer à augmenter et pourrait dépasser les 110 au cours des mois d'été, alors que les migrants, un peu habitués aux conditions météorologiques extrêmes, tentent d'entrer aux États-Unis. Les services frontaliers américains ont procédé à 12% de plus d'arrestations de migrants d'une année sur l'autre au cours des 8 derniers mois s'achevant au 31 mai. Les organisations humanitaires comme les Border Angels installées à San Diego estime que la principale cause de cette augmentation du nombre de morts tient au renforcement des conditions de sécurité déployées à la frontière. Les associations dénoncent notamment la nouvelle politique de tolérance zéro pour les sans-papiers qui a contraint les candidats à l'immigration à entamer de longs périples à travers un environnement hostile pour trouver un point de passage. Et plus de 100 migrants secourus par un porte-conteneur de Maersk Line, filiale du Danois au large de la côte sud de l'Italie, en débarqué ce matin dans le port de Pozzallo en Sicile. Et ce mois-ci, le nouveau ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a déclaré que plus aucun avion d'ONG humanitaire ne pourrait accoster en Italie pour y débarquer des migrants recueillis en mer. Ainsi, le navire Aquarius a été laissé en mer pendant plusieurs jours avec plus de 600 migrants à son bord avant que l'Espagne n'accepte de les accueillir. Le port de conteneurs Alexander Maersk qui se trouvait au sud de la Sicile il attendait vendredi les instructions des autorités. Le maire de Pozzallo, qui a supervisé les opérations, s'est réjoui de la décision de Matteo Salvini d'autoriser le navire à débarquer dans sa ville. L'Italie a accueilli 650 000 migrants arrivés par la mer depuis 2014. Après la crise déclenchée par l'Aquarius, les chefs d'État et de gouvernement de 16 pays européens se sont réunis dimanche à Bruxelles sans trouver d'accord pour désamorcer la crise migratoire devant le Conseil européen avant le Conseil européen des 28 et 29 juin. Notre navire, le Lifeline, bloqué en mer depuis jeudi, avec 224 migrants à son bord, pourrait prochainement accoster à Malte, a affirmé le porte-parole du gouvernement français Benjamin Griveaux. Le ministre américain de la Défense à Pékin pour parler Corée du Nord, tension sur la mer de Chine du Sud. Le ministre américain de la Défense Jim Mattis est arrivé ce mardi à Pékin pour sa première visite en Chine dans un contexte de tension croissante, alors même que Washington compte sur le soutien du géant asiatique dans ses négociations avec la Corée du Nord. À Pékin, où il séjournera jusqu'à jeudi, M. Mattis rencontrera le haut responsable du ministère chinois de la Défense. Le chef du Pentagone a indiqué à des journalistes l'accompagnant dans sa tournée de 4 jours en Asie qu'il voulait prendre la mesure des ambitions stratégiques de la Chine. Cette visite en Chine, la première d'un ministre de la Défense américain depuis 2014, intervient dans un contexte de tensions commerciales et militaire avec Pékin.
prochain. Le régime communiste a notamment déployé des bumelles, des armements, incluant des batteries de missiles et des systèmes de brouillage électronique sur des îlots artificiels en mer de Chine. Une décision destinée à appuyer les revendications territoriales de Pékin, mais qui inquiète ses voisins d'Asie du Sud-Est. L'Union européenne répliquera si le président américain met à exécution sa menace de relever le droit de douane sur les importations automobiles européennes, a déclaré hier le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Dans un contexte de tensions commerciales internationales déjà vives, Donald Trump a menacé vendredi d'instaurer des droits de douane de 20% sur la totalité des voitures assemblées en Europe et importées aux États-Unis, un mois après l'ouverture d'une enquête censée déterminer si ces importations menacent la sécurité nationale. Si les États-Unis nous frappent à nouveau avec une augmentation de 20% des tarifs automobiles, nous répondrons à nouveau, a dit Bruno Le Maire à l'Association de la presse anglo-américaine de Paris. Nous ne voulons pas d'escalade, mais c'est nous qui sommes attaqués, a-t-il poursuivi en précisant que ces agressions étaient d'autant plus incompréhensibles qu'elles proviennent d'un pays ami. Ce nouvel avertissement de Donald Trump a été lancé dans un message publié sur Twitter le jour même de l'entrée en vigueur des contre-mesures mises en place par l'Union européenne, réplique à la décision américaine de lui imposer depuis le 1er juin des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. La riposte européenne consiste à appliquer des droits de douane de 25% sur une série de produits emblématiques américains comme le bourbon, le beurre de cacahuète, les jeans ou les motos Harley-Davidson par exemple. Le constructeur de motos a annoncé hier qu'il délocaliserait sa production destinée au marché européen hors des États-Unis et a fait savoir que les contre-mesures tarifaires mises en place par les Européens lui coûteraient de 90 à 100 millions de dollars par an. Les Occidentaux ont présenté ce mardi un projet visant à renforcer l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, en lui donnant le pouvoir de désigner la responsable de telles attaques au prix d'un bras de fer avec la Russie hostile à la Et la réunion sous tension s'est ouverte à La Haye, alors que les inspecteurs de l'OIAC doivent de manière imminente dévoiler un rapport attendu de longue date sur l'attaque présumée au sarin et au chlore du 7 avril à Douma, près de Damas. Nous voulons renforcer l'organisation chargée de superviser l'interdiction des armes chimiques, a indiqué la délégation britannique à l'OIAC sur Twitter. Par ici, la session spéciale du plus haut organe politique de l'OIAC, prix Nobel de la paix en 2013, a été demandée par le Royaume-Uni, représenté pour l'occasion par le chef de la SA diplomatie, Boris Johnson. Londres a pris cette initiative quelques semaines après l'empoisonnement par un agent innervant de l'ex-section russe, Sergei Skripal, et de sa fille à Salisbury. Une attaque chimique, la première depuis des décennies en Europe, que Londres a attribuée à la Russie. L'Iran se réserve le droit d'enrichir de l'uranium à des fins pacifiques. L'Iran se réserve le droit d'enrichir de l'uranium à des fins pacifiques, a déclaré aujourd'hui le président iranien Hassan Rouhani à la télévision officielle. La République islamique avait annoncé précédemment qu'elle pourrait reprendre son enrichissement d'uranium à 20%, ce qui est interdit en vertu de l'accord de Vienne de juillet 2015 sur le nucléaire iranien. Dans son allocution à la télévision diffusée aujourd'hui, le président iranien a également dit que la décision de Donald Trump de sortir de l'accord de Vienne en mai était épouvantable et illégale et qu'elle avait entaché la réputation des États-Unis à travers le monde. Deux missiles israéliens sont tombés près de l'aéroport de Damas, selon l'agence officielle syrienne Sana'a, frappant des dépôts d'armes pour le Hezbollah, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Deux missiles sont tombés près de l'aéroport international de Damas, a rapporté Sana'a sans plus de précision. Les missiles israéliens ont frappé des dépôts d'armes pour le Hezbollah près de l'aéroport, a déclaré Rami Abdelrahman, directeur de l'OSDH, précisant que la défense syrienne avait échoué à intercepter les missiles. Le camionnette a délibérément foncé très tôt ce matin à Amsterdam dans la façade des bureaux d'un des principaux groupes de presse néerlandais, avant de prendre feu sans faire de victimes, selon la police. Le bâtiment abrite notamment la direction du tabloïd populaire de Télégraphe, un plus grand tirage du pays. La police estime qu'il s'agissait d'un acte intentionnel. Le conducteur s'est enfui immédiatement et la camionnette a pris feu juste après. Le Télégraphe a estimé également qu'il s'agissait d'une attaque délibérée, assurant par la voix de son rédacteur en chef, Paul Johnson, que le journal ne se laisserait pas intimider. Le Premier ministre Mark Rutte
minutes a estimé qu'en dépit des nombreuses zones d'ombre, l'épisode était une gifle au visage de la presse libre et de la démocratie néerlandaise. Le gouvernement est sur ses gardes et vigilante, il dit dans un tweet. La télévision a montré des images de pompiers arrivés très vite sur les lieux, combattant d'énormes flammes autour de la camionnette encastrée dans la façade de verre de l'immeuble. À l'aube, le site était calciné. Selon le Télégraphe, le véhicule a été stoppé très vite dans sa course car la façade était faite de verre de haute sécurité. Ainsi va le monde. Merci. Merci Marie-Lucie, merci à tous. Écoutez Radiovision 2000 sur le www.radiovision2000.it. De retour à l'actualité sur le plan local. La première journée des examens du baccalauréat unique a été marquée par des cas d'irrégularité, particulièrement à la capitale. En effet, plusieurs candidats n'avaient pas obtenu leur fiche d'examen, ce qui a provoqué une vive panique dans plusieurs centres devant plusieurs centres d'examen hier. Ces candidats ont été autorisés à subir les épreuves dans des centres d'examen spéciaux, dont les lycées Toussaint et Marie-Jeanne et l'école nationale Virginie Sempere. Écoutez les déclarations de certains candidats et directeurs d'école au micro de Michelo Xavier. Matin là, près de 15 000 timoun, selon avis ministre là, près de 15 000 timoun dans la rue, sans fiche nommé yo, y a trimballé, sorti dans le lycée des jeunes filles pour aller dans Caroline Chauveau, jusqu'à ce qu'il y ait un bon là-dedans qui atterri là, qui allé dans l'autre école tout. Et il y a une équipe qui même connaît qui compte pour le composer. Qui j'en fais pas une fiche nommé yo? Timoun ça y a une 9e authentique nommé yo, qui c'est 2013-2014, y a une seconde 2015-2016 nommé yo, y a une retour 2016-2017 qui dit yo passé, mais il y a des gens qui décident. Pour tout le monde, ça y est, les faits que vous avez dans l'école que vous regardez, ce n'est pas valable. Particulièrement, NS. Dans DDO, son directeur départemental a joint lui. Il n'a pas décidé pour tout le monde, ça y est. Après moi, ils sont rentrés. Mais moi-même, personnellement, je connais. Est-ce que ce sont des ratifications que le collecteur a fait composer son bagage qui a pris ici, vraiment? Est-ce que tout le monde a pas forme dans l'examen au fin de faire? Il a fait composer qui fiche. Sans fiche. Il a dit que le talent est examiné. Mais normalement, là. Parce que j'ai un examen déjà, il faut jamais baler. Le directeur du lycée Toussaint Louverture, Rodrigue Duverger, informe avoir pris toutes les dispositions pour faciliter le bon déroulement des épreuves dans cet établissement scolaire. Écoutez ses précisions. Normalement, en tant que fonctionnaire d'État, nous au service de la République, nous sommes serviteurs de la nation. Donc l'État doit peut-être que faire face aux difficultés, mais difficultés à les bonnes difficultés qui sont insurmontables. Donc le fait que j'ai des enfants qui sont en situation irrégulière, qui n'ont rien participé dans l'examen, donc moi, je n'ai pas techniques, non, mais sauf que l'ICA, c'est une école d'État, l'école publique. Immédiatement, le ministère a demandé moi-même pour l'école là ouvrir pour me recevoir candidat, moi faire parce que son devoir lié et c'est son service également. C'est un civisme d'État qui est tout pour accompagner les élèves qui en difficulté. Même si on dit ça, c'est à midi ou examen en bas, donc on fait quand même pour tout le monde composer de l'examen. Qu'on le veut ou non, il y a pas qu'il y ait plusieurs examens, son seul examen pour le même candidat, pour le même résultat. Donc normalement, moi, je vois examen à midi ou bien 11h30, 11h45, ma ben, au même temps qu'il est parti avec tout élève. Il faut que tout élève la sorti ou fait une composition qui était ça là pour dire c'est ma faute, ou bien j'ai raison, ou bien j'ai pas compris, ou bien qu'est-ce que je devrais faire à l'avenir pour que je ne rate pas la prochaine évaluation. Tant pas faire un défaut, c'est volonté. Ces services-là, c'est permettre à ce que tout le monde passe examen en beauté, quelle que soit l'heure terminée. Au contraire, on apprend le pays à un grand service que tout élève arrive à passer même examen dans la même période pour même l'État. Immédiatement, on a l'heure pour te passer son examen, pas passer. C'est normal à ce qu'on surprend, nous, on sent étonné, on sent que vous gagnez une réaction psychologique pour un détachement qu'a fait entre corps et esprit. Mais c'est maintenant accueil là, il permet à tout le monde de remonter finir là. Qui ça nous fait à ce qu'il y a trait pour surveillant qui est sous. Matin, on a une batterie de cadres lycéens qui étaient passés. Matin, tous les professeurs qui peuvent retirer chèque. Pendant que le professeur est venu pour un chèque, moi, tout profiter, tout moi-même, tout m'aligner en rang surveillant. Ce qui est un aspect psychologique, bien sûr, nous ne sommes pas là,
avec eux là qui dit nous yo ba nous fait là quand même n'a composé mais pas gagné qui dit nous que fait ça va le corriger résultat après en faveur nous moi participer dans une série d'épreuves particulières pareil et tout élève te joint le résultat pour aujourd'hui il va composer et puis dès demain avant la fin de l'évaluation ou pas demander élèves ça yo pour venir avec des pièces justificatives pour nous effectivement est-ce que les élèves qui étaient dans la salle de classe est-ce que tu fait 9e réellement est-ce que tu fait seconde donc à partir de demain nous pas gagner finalement banque de données qui va permettre que élèves qui ont recevoir fichier avant examen terminé à partir des données fiables que yo va soumettre avec yeux et regard responsable ministère là. Le directeur général du MNFP, Meuniol Jeune, accuse des directeurs d'école et des cadres au sein du ministère d'être responsables de ces irrégularités. Il informe que des dispositions seront prises afin de les identifier et de les sanctionner. Le DG du MNFP, Meuniol Jeune, interrogé par Jean-Christophe Prophète. Donc, nous avons dit, cas spéciaux, c'est un bagage chaque année dans le département de l'Ouest. Ça veut dire gagner une façon ou une autre responsable dans la question éducation dans le département de l'Ouest, toujours fait une façon pour gagner un cas spécial. Moi, je dis que cas spécial, c'est pas pour dire comme si son bagage qui était là normalement ou bien qui était là normalement, mais plutôt son bagage qui crée un objectif pour l'ensemble de responsables ou bien dirigeants mêlés avec les gens qui sont dans le ministère, fait ma gouille, fait parent, monter le ciel partout. Eh bien, je nous dis à spécialistes dans le domaine pour faire parent, monter le ciel partout.